Bien, salut tout le monde, c'est Toanok, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai supprimé toutes mes vidéos comme vous avez pu voir. Et puis bah là j'en recommence, alors là ça va être que pour le build et pour le PVP, mais pour l'instant je vais commencer que pour les builds. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, on va commencer à créer une maison médiévale, comment en faire une pour les débutants, hein, parce que... c'est pas compliqué à faire, donc on va commencer tout de suite. Alors, donc pour la maison médiévale, on aura besoin de la pierre. Ok, on aura besoin du bois de sapin. Moi j'utilise du bois de sapin, vous pouvez utiliser n'importe quel bois, mais pas du bois blanc, pas de bois de bois. Pardon, bois de chêne, c'est bien aussi. On aura besoin de la pierre taillée. Si on trouve la pierre taillée, des escaliers en pierre taillée. Et pour l'instant, des escaliers en pierre. Alors, qu'on trouve ça, nickel. Alors, on va commencer tout de suite. Alors déjà, pour la structure, alors c'est un peu, enfin, c'est pas compliqué à comprendre. C'est en fait, faudra tout le temps que les murs soient impairs. Alors en fait, genre, laisser tout le temps trois d'espace. Genre là, il y aura un mur. Et là, il y aura un mur. Et là, ça fait 3. Du coup, bah, 3 plus 2, 5. Si vous avez compris la logique. Alors nous on va faire ça, donc là ça fait déjà 3, là ce sera notre point d'entrée, tiens. 3, 1, 2, 3, vous pouvez refaire pareil que moi si vous voulez. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, voilà. Et ainsi de suite, vous faites n'importe quel bâtisse, moi j'en fais une, voilà, comme ça. Alors là, on va agrandir, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Là, je me perds. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 1. Enfin, je vais arrêter de compter, je pense que vous avez compris. Alors, on va... Pente, la passera petite, bon, c'est pas grave. Alors, désolé si vous entendez les clics, c'est un peu bête. Mais bon. Du coup, voilà, je vais passer ce petit moment de solitude en ralenti pour pas qu'il y ait de blanc. Puis je vous dis à de suite. À de suite. C'est toujours moi. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va commencer à faire les murs. Alors, les murs, ça sera de 3 de hauteur. Genre, vous mettez à chaque pan de relais 3 blocs de bois de sapin. Moi, c'était bois de sapin. 1, 2, 3. Non. Enfin, ça sera 4. 4, 4. Désolé, ça sera 4. Excusez-moi. 4. Bah non. Attendez, je suis en train de réfléchir là. Si, si, si. Non, c'était. Ouais, ouais, c'est. C'est 4, désolé, j'avais un petit oubli. Hop. Et vous le faites partout, tout autour. Moi, je vais faire en accéléré tout le temps pour pas avoir le moment de solitude. A de suite. Et re tout le monde, c'est bon, j'ai fini. Donc, c'était très rapide. Et maintenant, ce que vous allez faire, bah, vous allez recouvrir les blocs, les murs, pardon, de pierres taillées, de 3 en 3, hein, 3 x 3. Vous ne couvrez pas cette partie, vous verrez pourquoi. Oula, petit moment de lag. Ah, j'ai oublié là. Ah, bah, c'est pas bien ça. Bon, bon, du coup, là, je vais vous faire une petite. Enfin, je vais vous faire encore un petit accéléré. Je suis désolé, mais il y aura beaucoup d'accéléré parce que beaucoup de moments. Cette maison, je vous le dis direct, elle prend entre 30 minutes. À moins que, enfin, si vous la faites comme petite comme moi, pas grande, sans relief, sans beaucoup de relief, bah, ça prendra vers les 15 minutes, pas beaucoup de temps. Hein. Si vous voulez pas jouer avec le relief, franchement, elle est facile à faire. Donc, alors on va faire ça. On va mettre là. Donc, je vais vous passer en accéléré ce moment. Donc, à de suite. Tout le monde, c'est bon, j'ai fini les murs. C'était à moitié rapide là, par contre. Là, c'était à moitié rapide. Donc, maintenant, une fois ça fait, alors là, ce que vous allez faire, vous allez faire des
comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, vous allez faire des piliers comme ça, de deux, à chaque fois de deux, comme ça là. Et donc bah, vous le faites tout le long. Là je vais pas faire d'ellipse parce que c'est assez rapide à faire, il y a juste à poser des blocs. Et vous verrez, après faudra les relier, je vous montrerai ça. C'est assez simple. Alors là il y a beaucoup de côtés, du coup ça va être assez sympa. Alors là par contre je sais pas comment je vais faire parce que... Ouais, là je sais pas. Là je pense que je vais en faire qu'un. Ouais, je pense que je vais en faire qu'un ici. Moi c'est un peu dans l'embarras, du coup vu que vous avez pas fait comme moi, bah... Vous êtes peinard. Moi j'étais un peu dans le caca. Donc, voilà. Bon, c'était rapide, hein. Et maintenant on va les relier à un bloc d'extrémité. Vous voyez ça, ceux-là, bah on va les poser, on va faire ça. Là, alors là. Là, bah là on va mettre ça comme ça. Parce que là c'est space là. Là, même moi là, je sais pas comment le faire. Même celui-là, je sais même pas comment le mettre. Parce que c'est un peu con. Ah bah non, d'accord, c'est que j'ai oublié là, désolé. Bah je suis con. Bon, là ça va être plus simple. 1, 2. 1, 2, et puis là bah, vous refermez avec celui-là ou celui-là, n'importe. Là, hop, et vous verrez, ça fera déjà votre premier étage. Il y a deux étages, donc c'est un peu. Bah, c'est pas la même chose. Et du coup, là, hop, je peux casser, je suppose. Ouais, et puis là, je vais refermer hein, pour que ça fasse pas con. Faut pas que ça fasse con, parce que sinon. Voilà, nickel. Hop, j'ai réussi à faire mon petit truc. Là, vous faites la même chose que tout à l'heure. 1, 2. Ah, j'en ai encore oublié un là, oui. 1, 2, 3. 3, oui, 3. Apprendre à compter avec Ionox. Et oui, j'ai rechangé mon skin, vous avez vu sur ma page, sur mon profil. J'ai changé beaucoup de fois de skin, mais bon, voilà, c'est... Celui-là, je peux pas vous dire si c'est le définitif. Mais en tout cas, ça sera un de mes... C'est, en fait, ça me représente moi dans la vraie vie. Après, bon, voilà, c'est un peu con. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, une fois ça fini, vous allez jouer sur les reliefs en rajoutant un petit parpaing comme ça. Ou sinon, attendez, c'est là. Ouais, là, ici, là. Juste là, vous, en forme de... Bah, de courbe, tout simplement. Donc, on va refaire ça pareil là, là. Donc merci la musique de fond. Peut-être qu'il y a de blanc, parce que sinon j'imagine pas la vidéo qu'est-ce qu'elle sera. Alors hop hop hop. Donc voilà ça. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais bon. Voilà, c'est la vie, hein. J'avais pas envie de faire de vidéo. Bon après il y a les parents qui sont derrière, faut que je bosse, etc. En même temps, ça se comprend, on va pas le nier. Donc une fois que vous avez fini ça, ouais je l'ai fini, en fait vous allez jouer tout le temps sur les reliefs, mais cette fois-ci sur les côtés, vous allez rajouter un petit truc comme ça, c'est tout bête. Mais ça fait son effet. Alors là vous en rajoutez un là, enfin moi j'en rajoute un là, parce que moi je suis seul là. Ah, donc je ferai d'autres vidéos, je ferai pas que des vidéos build, je ferai des vidéos mini-jeux avec des potes, enfin avec des potes, oui c'est des potes. Enfin des amis voilà, que j'aime bien, que j'ai envie de faire des vidéos. C'est un peu débile ce que je suis en train de dire, mais je m'embrouille un peu. Mais c'est pas grave. Bon, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que votre maison est un peu bizarre, on peut se le dire. Là j'ai juste cassé, j'ai envie de casser. Mais non, ça fait moche sinon. Voilà, votre maison est faite. Ah, attendez. Je vous fais une petite ellipse. Enfin non, je vais pas vous faire une petite ellipse, je vais juste casser ça. C'est juste que ça fait pas joli en fait. Du coup, je vais juste le relier pour que ça fasse un grand mur. Vous, si vous l'avez fait, ou si vous l'avez fait pareil que moi, bah faites-le. Vous avez juste à détruire ce mur jusqu'à là. Tout ce qui est en dehors de cette ligne, bah vous détruisez. Hop, 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 hop. Voilà, ça fait un truc comme ça. Là, vous reliez là. Tout con. Là, vous mettez de la pierre. Là, la pierre taillée. Et voilà, vous avez refait votre mur. Voilà, là c'est plus simple. C'est plus classe comme ça, je trouve. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire les vitres. Ah oui, il vous faut des vitres. Vous pouvez prendre du verre. Bon, moi ça se voit pas, mais vous prenez du verre ou des vitres. C'est vous qui voyez, moi je vais prendre des vitres. Prendre les vitres. Ouais, c'est bon, ça se voit. Alors, on va mettre avec les escaliers en pierre, bah, comme ça. Sur les trois, là, on va le mettre au milieu. Et on va le faire partout.
et vous détruisez ce qu'il y a juste au-dessus. 3. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai fait des trucs en 3 en même temps pour que ça fasse merde, en même temps pour que ça fasse plus joli et que ça fasse pas moche. Donc bon, ça va être un peu long, du coup je vais faire une petite un petit accéléré et donc je vous retrouve à de suite. À de suite. Et re tout le monde, en fait c'était pas long du tout. Ok, bon, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire pareil mais avec la pierre taillée en haut et comme ceci, voilà. Vous allez faire partout, là je vais essayer de pas faire d'ellipse, je vais essayer d'aller vite en parlant de la chaîne. Donc pourquoi j'ai supprimé toutes les vidéos, j'ai même voulu recommencer une chaîne parce que je regarde, je vous le dis franchement, les abonnés montent pas et je sais qui c'est les abonnés, en plus je sais que c'est des amis à moi, donc voilà. En fait tous ceux qui regardent mes vidéos, je vous connais. Vous qui regardez cette vidéo, je vous connais. Et donc du coup, bah ça fait bizarre. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu recommencer une chaîne, mais bon, on verra bien. On verra bien s'il y a du monde qui passe sur cette chaîne. Et puis, bah ça me plairait bien. Ça serait bien. Je suis en train de me répéter, mais ça serait plutôt cool d'avoir des gens qui me suivent sur YouTube. À part mes amis, quoi. Parce que c'est bien aussi, hein, mais bon, voilà, on sait que c'est ses amis. Et puis, bah, c'est pas marrant. Bon, maintenant on va mettre des vitres sur les deux trucs là. Voilà. Et donc, comme je disais, bah, parce que j'ai fait une petite ellipse. Enfin, j'ai fait une petite ellipse. Merde. J'ai coupé ma parole moi, à moi-même. Je suis en tag live. Donc, comme je dis, je suis en train de m'imaginer un truc dans ma tête. Donc, comme je disais, voilà, ce serait pas. C'est pas cool quoi. Enfin, c'est bien, mais bon, c'est pas hyper cool d'avoir des abonnés alors que c'est vos amis. Hein. Voilà. Du coup je me lance dans le build, on verra bien ce que ça donne, vu que j'aime beaucoup construire, j'aime beaucoup faire la déco sur ce jeu, franchement j'ai beaucoup de créativité sur ce jeu, et donc ça me plaît beaucoup. Bon, on a fini. Bon, maintenant on a fini de blablater, maintenant on va faire la maison. Alors, maintenant on a plus qu'à faire l'étage. Alors l'étage, on n'a pas... Ah non, on n'a pas fini, désolé, on va pas faire l'étage en fait. Alors là en fait, pour rajouter de la... La structure à votre maison, vous allez rajouter des petits piliers. Fait stylé. Hop. Ouais, parce qu'on n'a pas du tout filmé. Hein. On n'a pas du tout fini. Pas filmé. Donc oui, je lag pas. J'ai voulu mettre des shaders, c'est pour vous dire. Mais je laguais trop en fait les shaders. Vous allez. Vous verrez. Enfin, de toute façon, vous avez vu à la miniature, c'était. C'est bah, la baraque avec un shader. Donc voilà, c'est bien, mais ça lag. Ça lag beaucoup. Donc maintenant, pour. Comment ça s'appelle? Ah oui, pour les blocs. Alors là, vous allez juste rajouter des parpaings. Alors attends, c'est là. Alors, il faudra aussi des barrières. Des barrières que je trouve. Ah oui, c'est là. Alors, des barrières. Des barrières normales et voilà. Donc là ce que vous allez faire, attendez, est-ce que c'est comme ça? Comme ça. Ouais non, en fait vous allez juste non. Voilà, vous allez juste faire ça pour rajouter de la du relief. En fait vous allez rajouter des murets sur vos murs, enfin sur les piliers, du coup ça sera un peu plus swag de poule. Expression de 2008, bon c'est pas grave. Voilà, hop. Stylé. Et franchement vous pouvez prendre n'importe quoi. Alors je ferai beaucoup de thèmes de build. Je ferai genre comment construire, je sais pas moi, des temples, n'importe quoi. Une église médiévale. En plus c'est pas con, c'est tout simple à faire une église médiévale. Genre on prend le même contexte et puis on met une grande tour. Et voilà. Ça fera swag. Bon, j'ai fini. Maintenant, on doit faire. On doit faire. Là, on a fini le. Merde, les premiers étages, je vais y arriver. Donc, ce qu'on va faire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'étage suivant. Alors, l'étage suivant, vous allez juste rajouter 5 blocs.
5 blocs de blocs de sapin pour faire l'étage. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, on va pas les mettre là, on va les mettre juste à côté en fait. On va les mettre sur ce mur là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et cette fois-ci, je vais vous faire un petit accéléré parce que ça va prendre un peu de temps. A de suite. Voilà, j'ai fini. C'est chiant parce que là en fait il y a des gens sur Skype qui. Enfin, c'est pas chiant, ils vont se reconnaître dans la vidéo. Mais voilà, ils m'envoient des messages, ils m'envoient une photo, c'est swag. Et je tiens à remercier l'ami à Vlay de m'avoir fait cette belle image de profil, photo de profil qui est très belle, que je la mettrai sur ma page YouTube. Donc voilà. Bon. Voilà. Passons à autre chose. Maintenant, alors on peut jarter le. Ah non, ouais, merde, je coupe. On a besoin encore des petites. Alors on aura besoin pour l'étage. Escalier en pierre taillée. Pas besoin de pierre. Plus besoin de pierre. Pierre taillée, du sapin. Les murets, puis les barrières. Après on aura besoin de la laine qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Let's go. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est juste remplir le mur en dégradé, tout le mur quoi, comme ça, pour que ça fasse un style médiéval quoi. Vous voyez c'est swag. Mais et du coup vous faites tout le long. Allez, let's go. C'est pas titi. Je vous fais une petite ellipse parce que sinon je vais pas y arriver. Un petit accéléré parce que sinon ça va être un peu long. Et du coup je vous dis à de suite. Bah re tout le monde, voilà, j'ai fini mon truc, c'est assez rapide à faire, j'ai mis à peine 2 minutes à faire ça, et donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'en dessous, vous savez le petit piquillé là comme ça, et là vous allez en rajouter qu'un en fait, ça va être plus swag, et vous le faire tout le tour bien sûr comme en bas, donc hop. Sinon, hey, oh, je t'ai demandé de faire ça, cougnard. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant qu'on a fini, on les relie. On relie ceux-là. Enfin, c'est comme à 1, quoi. 1 d'extrémité. Voilà. Bon, là, s'il y a des trous, vous occupez pas. De toute façon, ça se verra pas dans la structure. L'intérieur. On va faire l'intérieur, mais je pense qu'on va le faire dans une autre vidéo. Je garde ça quand même pour une autre vidéo, parce que déjà là ça aurait pris quand même, on est quand même à 21 minutes 11, vous voyez, déjà, et avec, pour moi je suis à 21 minutes 11 sans les accélérer, donc ça prendra moins de temps quoi, mais sinon ça ferait 20 minutes 11 que j'y suis. Donc on a fini, non on n'a pas fini en fait, parce qu'il faut faire la même chose aussi là, MDR, on va y arriver, par contre là je crois que c'est là, non, attendez, non c'est là. On s'en fout du toit, le toit il va pas être comme ça de toute façon. Hop. Là on fait rien. Là on fait le truc. En fait c'est vous qui voyez si vous mettez ça, parce que là je pense que ça va faire moche, mais bon, ça va pas se voir dans la structure, du coup c'est assez simpliste et assez joli. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on a fini, on va s'attaquer au mur. Alors là ce que vous allez faire comme ça. Alors 1, 2, bloc de sapin. La même chose à côté. Stylé. Là, ce que vous allez faire, là, vous allez faire la même chose, mais comme ça. Pour ça, on a un rendu assez stylé. Là, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Oh, 1, 2. La même chose partout. Ok. Donc. Hop. Yup.
Yup, yup. Ça va être soit yup, soit yup. MDR, bon, ok. Nickel, nickel, nickel. Ok, bon. Voilà, là on a fini. Et donc voilà. Maintenant, là on va s'attaquer au toit. Mais bon, les détails sont pas finis, on va les peaufiner à la fin. Maintenant on va s'attaquer au toit. Le toit est un peu plus compliqué que ce qu'il en a l'air. Enfin non, justement c'est plus simple que ce que ça en a l'air. Et puis moi je vais enlever ça, parce que ça fait pas beau. Ça fera pas beau à la structure. Du coup, enlevez-le, je vous conseille de l'enlever en fait. Désolé hein. Pour ceux que ça aime pas. Ça aime pas faire ça, bah voilà. Vous enlevez et voilà. Donc le mur, pour moi je vais le placer comme ça et ça va toujours être symétrique. Déjà c'est 2-2. Toujours en 2. Hop. Puis vous allez voir, je vais vous montrer de loin. Si j'ai des petits lags, je vais vous montrer de loin ce que ça donne. Ça donne un truc comme ça. Vous voyez ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça, là on va le faire pareil. Ça sera parallèle. Bah là, celui-là, il va être parallèle à là-bas. Non, c'est pas français ce que je dis, mais je suis très nul en maths. Faut pas croire. Je suis assez bon en maths, mais c'est pas ouf. Hein, on va se le dire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose, mais là, moi, de ce côté-là. Donc, ça va se swag. Voilà. Et du coup, parallèle à lui de là-bas. Pareillement. Pareil. Oh, j'ai sorti pareillement dans une vidéo, quoi. J'ai même pas... Non, c'est du pareil au même. Je confonds. Oh my god. Bon, une fois qu'on a fait ça, là, il va nous falloir... On vide notre inventaire. J'ai fait mon instant troll. En fait, il faut reprendre le bois de sapin. Donc, si vous n'avez pas faire, vous allez sur le bloc et vous faites molette. Enfin, vous cliquez sur la molette et ça vous donne direct votre bloc. Vous allez prendre. Moi là franchement là je pense que je vais prendre du bois de. Par contre les bois se ressemblent du coup bah je. Voilà, on va prendre des planches de chêne. Des escaliers en bois de chêne. Escalier en pierre taillée. Et pierre taillée. Donc là ce que vous allez faire, vous allez mettre deux blocs à chaque proximité, vous voyez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ouais, ça donne un truc comme ça. Voilà, et vous faites pareil, tout à fait pareil au truc. Et cette maison, elle peut être sympa pour un serveur. Ça peut être, franchement, vous pouvez faire un village médiéval et puis vous pouvez le faire de n'importe quelle matière. Enfin, vous pouvez changer de. Bah, le bâtiment, il peut être. Oh, j'ai trouvé mes mots. Il peut être. Il peut être n'importe comment, mais toujours impair, quoi. Ça peut être. C'est vraiment sympa. Et puis là, moi, j'ai fait au pif. Hein. Je sais comment la construire, mais là, je vous le dis, la déco, là, c'est juste au pif. Hein. Donc. Une fois qu'on a fini ça, vous allez remplacer les derniers blocs en pierre taillée pour. En fait, c'est pour donner un petit relief assez sympa. Au toit, et ça donnera un aspect vraiment médiéval, plus classe que les autres. Et vous allez demander, mais qu'est-ce qu'il faut mettre là? Ben vous verrez. Je vais vous dire quand on aura fini les structures du toit. Oui, parce que en fait, il y a structure. Alors attendez, il y a structure. Oui, il y a structure et toit quoi. Bon, là, ce que vous allez faire, le squelette du toit. En fait, vous allez relier les plaques, les planches de chêne aux autres planches de chêne. Genre pour celle-là, ça va donner ça. Pour celle-là aussi, là. Alors vous avez compris le concept. Là, ça va faire une croix. J'ai dit pas de conneries. Ouais, si. Ouais, ça va donner une croix, vous allez voir. Et du coup, on va faire. Ouais, voilà. Et du coup, on va faire la même chose, mais sur le truc d'en haut. Et du coup, ça donnera une petite croix. Une plus petite croix, et vous verrez. Le toit après il se fera très facilement, même aisément. Hop. Easy blé. Bon. Voilà. Bon. Alors, une fois ça fait,
Là, vous allez faire la même chose. Donc là, bah du coup, ça va faire une croix, mais il n'y aura pas d'espace. Parce que ça, ce sera votre la finition du toit. Et voilà, nickel. Hop. Bon, ça c'est beau. Enfin, ça c'est fait. Je vais mettre. Attendez. Time set. Je crois que c'est time set day. Je suis pas sûr. Non. Oui, vous avez vu, j'ai essayé des shaders. Ah là, nickel. Ah bah là, il fait plus beau. Donc, maintenant, vous allez mettre l'escalier en pierre taillée. Vous allez faire. Vous allez mettre comme ça. Vous allez mettre comme moi. Là, je sais pas comment les expliquer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Ouais. Et voilà. Du coup, ça donne un truc comme ça. Et puis, vous voyez bien que ça donne du relief. Et si vous avez envie, moi, je pense que ça va être sympa à faire. Vous rajoutez ça pour que ça fasse plus de contraste à votre structure. Ou vous pouvez même rajouter un escalier pour que ça fasse plus simple. Plus simpliste, plus joli. Voilà. Ouais, ça fait sympa ça, voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil sur les autres côtés. Tac, tac, tac. 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 Je vais arrêter de dire tac parce que ça va être chiant. Merde, si c'est bon, j'ai fait ça. Voilà. Je vais peut-être faire une petite... Non, là je vais rien faire là parce que je pense que le montage là... Je suis pas un pro montage hardcore de la mort qui tue. Je suis un pauvre type qui sait faire avec Camtasia, c'est tout. Bon. Une fois ça se fait. Bon, une fois... Oh la vache, je vous ai pété les oreilles, je pense. Bon, une fois ça fait... Alors maintenant, vous allez vous attaquer à l'intérieur. Vous prenez de la laine blanche et vous faites la même chose qu'avant. Vous allez donner du relief au mur. Vous faites comme moi. Vous faites 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Là, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Au milieu, 1, 2, 3, 4. 4 au milieu. 3. 3 à droite et à gauche. Voilà. Bon. Une fois ça... Je peux pas sortir. Ah si, bon. Une fois ça fait, vous allez faire votre toit. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez faire ça. Un. Vous allez faire votre toit, en fait, hein, tout simplement. C'est tout con, mais c'est ça. Hop. Et la pente, je pense que je vais vous le mettre en avancée, donc je vous dis à de suite. C'est bon, j'ai fini le toit, c'est nickel. Et puis maintenant, je vais m'attaquer à la finition. Alors là, est-ce qu'on va mettre de la laine ou pas? Non, je vais tomber. Alors, est-ce qu'on met de la laine là pour que ça fasse plus swag, que ça fasse plus médiéval? Ou, eh bien, on met du truc moins swag, genre de la... Ouais, non, c'est swag ou pas. Et puis là, genre, on rajoutera un truc comme ça. Non. Comme ça. Ouais, voilà, on rajoute. Non. Bon, tu sais pas. Ouais, du coup. Au pire, hop. Voilà, là, c'est swag comme ça. On va faire comme ça. Donc, vous avez bien vu comment j'ai fait, je pense. Vous êtes bigleux. RT, si t'es triste, je suis désolé. Les bigleux, j'ai rien contre vous. Bon, on fait notre toit. Voilà, vite fait. Du coup, pour une autre vidéo, je vous ferai l'intérieur. Mais bon, on n'a pas fini, c'est pour vous dire. Il nous reste un peu de choses à faire, toutes les finitions. Par contre, là, il y a un souci.
Là, il y a un léger souci. Un léger, hein, c'est pas un gros. Ah, si, ça reste un gros, en fait. Voilà, comme ça. Bon, ouais, du coup, moi, je vais prendre des dalles. Moi, c'est un peu spécial. Je vous l'accorde. Mais au bout du compte, on va y arriver. Et puis là, bah, je peux faire un truc comme ça. Ouais, ouais, ça, là, ce truc comme j'ai fait là, c'est bien. Parce que vous allez voir, vu que ça sera détruit. Ça n'existera plus. Dans le monde des télétobus. Non! Putain. Et voilà. Bon, j'ai réussi à faire mon truc. Bon, du coup, là, c'est moche. Du coup, on va rajouter quand même des escaliers. Mais juste là. Là, c'est nickel. Là, c'est bon à voir. On va même rajouter des dalles. Pour que ça fasse encore plus swag. Le swag de ouf. Ouais. Bon, on a en fait non. Je vais rajouter des dalles. Non, je déconne. C'est bon, là, c'est fini. Bon, du coup, on retourne à la laine. Et puis, on fait la même chose que tout à l'heure. Et puis là, on n'a pas... Ah, oh, putain. Faut recommencer la même chose. Là, je vous fais une petite ellipse, je vous dis... A de suite les gens. Et re les gens, c'est bon, j'ai fini. Puis du coup, bah je vais faire le petit truc là qu'il faut faire. Je l'ai pas fait entre temps, j'ai juste fait le toit et puis j'ai repris direct la vidéo. Donc on va le faire tout de suite. Et nickel. Bon. Alors, vu que ça c'est terminé. Bon, si vous avez du mal à voir le truc bien, bah vous faites un truc comme ça. Hein. Mais moi, je vais peut-être pas le faire parce que ça fait un peu moche. À moins que. Non, c'est sympa. Moi, je vais le faire. MDR. L'improviste. Bon. Alors, on finit ça. Ouais, c'est nickel. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah voilà. Maintenant, on va rajouter des tailles. Notre maison médiévale, elle est presque finie. Mais elle n'est pas finie. Alors là, il faut de la vitre. Là, vous allez prendre de la vitre parce que là, vous allez faire des trucs. Là, vous allez mettre de la vitre à chaque extrémité comme on va. Vous allez faire la même chose. On vous fait une petite avance rapide. Et puis je vous trouve tout de suite. Ok, bah heureux. C'était rapide. Vous allez faire la même chose en haut, en hauteur. Enfin, s'il y a deux trucs comme ça. Ah non, vous allez en mettre qu'un, pardon. On n'a pas deux. On mettait qu'un. Voilà. Juste sur les petits trucs comme ça. Hein. Juste sur les grandes tours. Et puis là, je crois qu'on a fait le tour. Pas sûr. Eh bah si. Bon, maintenant, on va faire les 10 détails. Du coup, vous allez prendre... Vous pouvez enlever tout. Là, franchement, là, vous pouvez enlever tout. Vous allez prendre des murets. Et des barrières. Des barrières. Donc, pour les barrières, on va en poser une là. Une là. Une là. Une là. Ok. Et vous allez faire la même chose... partout. Il y aura beaucoup de barrières en fait pour le petit tuto. Hop. Pour l'instant, il n'y a rien à côté, c'est juste parce que là j'ai rien envie de faire. Je le ferai tout à l'heure et puis on va pas m'emmener avec ça. Hein. Alors. Bon, une fois qu'on a fait le tour, on va encore utiliser des barrières. Pour faire juste ça là. Voilà.
Et voilà. Encore des barrières pour le haut. Cette fois-ci pour là où il y a les vitres. Vous faites ça, un truc comme ça. Okay. Si vous aimez pas les si vous aimez pas les barrières, faites-le pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ah du coup, bah attendez. Parce que là, j'ai pas fait le truc là. Ah si, 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 si. Je l'ai fait, excusez-moi. C'est en fait c'est là qu'il faut les placer. Je suis con. Hop. Oui, je dis que je suis con dans une vidéo, je suis normal. Et voilà. Et pour les murets, bah vous faites. Vous rajoutez les murets. Attendez. Là ou pas. Ouais, vous rajoutez les murets comme ça là. À moins que vous aimez pas, vous le faites pas, vous êtes pas obligé. C'est votre construction, c'est pas la mienne. Vous faites vraiment partout vu que là c'est. Vu que là moi c'est un grand mur, bah du coup je le fais. En fait c'est tout ce qui est en rapport là, là ici. Quand il y a les murets, bah vous montez. C'est comme c'est la logique des choses en fait. Muret, tu montes. Muret, tu montes. Non, pas là. Là. Donc, c'est tout con. Et puis, bah, quand on aura fini ça, on aura fini la vidéo. Enfin, du moins, la partie 1 de la vidéo. Parce qu'il y aura deux parties, du coup. On va faire la maison. Et puis après, il y aura la déco. Donc, voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous dis, ciao tout le monde. Bon build à vous. Et ciao, ciao.